Si les rappeurs, c'est des vrais. Qu'un rappeur aujourd'hui fasse un son contre Israël, un seul rappeur connu. Demain, extinction des feux. C'est là où c'est que les rappeurs, c'est des pions. Allez, je vous défie, vous tous les rappeurs qui dites que vous êtes des rebelles là. Demain, faites un vrai son contre Israël. On verra si vous êtes des vrais. Allez, tout le rap français là, on vous défie. Vous savez bien que vous ne direz pas dit une minute après. Et John Galliano, il a fait juste une allusion. T'as vu John Galliano, comment il était où? Il est où, fucking John Galliano? Je te demande sinon. Disparition. Et tu crois que c'est un fucking rappeur de Marseille ou du 93 qui va venir à qui on... Votre pseudo-prophète qui se cache à Miami, là, il a qu'à faire un son contre Israël, vous allez voir. Pourtant, lui, c'est un rebelle, il parle de tout. Il est rebelle. C'est un rebelle sans cause, comme le disait Public Enemy. Un rebelle sans cause. Mais est-ce qu'un rebelle qui n'a pas de cause est un rebelle? C'est ça la question. Frère, ils n'ont qu'à faire. C'est tout, s'ils sont... Tu dis, ouais, fais. Les rappeurs, c'est des pions. C'est des pions. C'est des pions. Des grands lobbies, parfois homosexuels, parfois financiers, parfois des grosses entreprises. Les rappeurs, ils sont là pour vendre ce qu'on leur dit de vendre. Pas forcément que des CD, aussi des idées. Oui, des idées. Mais qui écoute les paroles des rappeurs? Tout le monde s'en fout. Les gens, ils les répètent, mais ça... ce que les gens, ils retiennent des rappeurs, c'est sa coiffure aujourd'hui, comment il est habillé, comment il est... Parce que... Sa voiture, son tatouage. Le lendemain, tous les enfants, ils vont acheter pareil. Le rappeur, il met des flip-pleins. Flip-pleins, peut-être, ça coûte peut-être 100 euros. Vaut mieux acheter 100 euros, il y a plus de bénéfices qu'un CD à 10 euros, où le rappeur va toucher 1 euro. Ces rappeurs sont des rigolos. Pas tous, hein. Il y en a peut-être quand même 2-3% qui ne sont pas des rigolos. Mais le rappeur, la majorité, c'est des pions. Comme je l'avais dit, ça, les rappeurs sont des chattes. Ouais, comme les footballeurs. Les footballeurs, c'est des pions. Les footballeurs noirs, surtout, c'est des pions. Et ils le savent.